Je voulais dire en préambule que ces deux travaux admirables qu'on a vus là, présentés ce matin permettent d'ancrer, y compris la question du nombre important de bâtiments à traiter dans cette affaire des grands ensembles, permet d'ancrer dans ce qui s'appelle l'architecture, quoi, tout simplement. Quoi. Et bien sûr que dans les années qui viennent de passer, on a voulu expédier et la question de l'architecture et la question du problème social lié au grand ensemble d'une sorte, d'un coup. Donc on est aujourd'hui face à une situation très grave, quoi. C'est sans doute le principal problème de notre pays, si on regarde la question sociale. Quoi. On n'en entend pas parler pendant la campagne présidentielle du tout, du tout. On se retrouve là face à un problème où, au fond, techniquement, on n'est pas désarmé. Financièrement, on sait presque le faire. Il faut dire que la rénovation d'un appartement dans un grand ensemble, ça peut coûter 15 000 euros, on ne fait pas grand-chose. Ça peut coûter 90 000 euros, on fait beaucoup. L'essentiel, aujourd'hui, pour moi, c'est dans cette affaire d'essayer de tout faire pour valoriser le bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous habitez la Villeneuve de Grenoble, il vient de se vendre, la semaine dernière, un appartement de 65 mètres carrés à environ 60 000 euros. Ça veut dire que vous n'avez presque rien. Et cette question-là, elle est essentielle. Si vous voulez, pour moi, l'articulation du travail de l'architecture avec le travail social tout court dans la question des grands ensembles, c'est de trouver le moyen de valoriser ces biens. Pour ça, il faut sans doute faire de l'urbanisme, mais il faut aussi, bien sûr, améliorer l'habitation. Alors il y a deux volets, il y a la valeur tout court et puis il y a aussi le fait qu'on peut se payer sur les économies d'énergie qui peuvent être très très sensibles. Aujourd'hui il y a des gens qui sont assaillis par les charges de leur appartement à faible coût de location. Donc tout ceci pose toute une série de problèmes qui sont des problèmes techniques mais qui se coltinent avec un problème politique qui est, il est tellement simple de se débarrasser du problème en éliminant tout. Et comme il est très simple, à une époque, de concevoir les grands ensembles d'une manière très expéditive. On a toute une série d'éléments patrimoniaux. Le ministère de la Culture vient de publier un livre qui fait un peu état des éléments forts du patrimoine, mais qui sont peu de choses, mais très peu de choses par rapport à tout ce qui a été, par rapport à tout ce qui a été bâti. Je raconte un truc personnel, mais... Il est significatif. Moi, l'automne 64, je rentre de ma première agence d'architecture. On n'y fait que des grands ensembles. Ça s'appelle Ville-Belle, ça s'appelle L'Aïe-les-Roses, etc. Je ne sais rien faire, donc on me donne du travail. Le travail qu'on me donne, c'est essentiellement couper des plans, les mettre à l'envers, mettre du scotch invisible, reprendre des plans, les remettre à l'endroit, etc. etc. C'est-à-dire que on est là-dedans que dans du travail de manipulation. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner mon patron à la Caisse des dépôts, parce que c'est là que ça se décide, et je n'entends parler que de productivité, au fond, ce qui est légitime, puisqu'on est en train d'essayer, à l'époque, d'éviter la crise du logement. Donc. Mais néanmoins, j'ai été très surpris, pendant cette période-là, de voir à quel point tout ceci ne faisait pas l'objet de conceptions, sauf bien sûr chez Erfus, chez Dubuisson, etc., qui sont des architectes que l'on connaît et qui ont démontré largement que certains de leurs grands ensembles, en tous les cas, avaient une vraie pérennité. Mais cette espèce de désinvolture, accompagnée avec le fait qu'on choisit les terrains là où c'est le plus facile. Alors, l'expression, c'est on fait ça sur les champs de patates, les champs de betteraves, etc. Mais de manière à ne pas avoir de problème de conception du tout, puisque tout le terrain est vierge et l'on va pouvoir disposer au mieux, dit-on, tous ces bâtiments. Alors l'héritage aujourd'hui, c'est que cette désinvolture, je dis bien désinvolture, hein, je le pense très sincèrement, mis à part les exceptions, mais encore une fois, très peu de bâtiments. Cette désinvolture, elle a quand même rencontré toute une série d'habitants qui en ont un peu fait leur affaire. Et au fond, le fait qu'aujourd'hui, on soit dans la crise qu'on connaît, montre bien que tout ceci a malgré tout été habité. Donc le principal trésor de tous ces bâtiments aujourd'hui, c'est la population qui y vit. À partir de ça, j'essaie de construire un raisonnement, je dirais surtout pas une théorie, parce qu'il ne faut surtout pas être du tout dans cette question-là, imaginer que
on a la solution. Mais simplement, le raisonnement, il va de pair avec l'idée que la tradition de l'architecture, c'est la transformation. Moi, j'aime bien le terme de détournement, je m'en suis abondamment servi. Je pense que cette affaire de Bois-le-Prêtre est une espèce de transfiguration d'une réalité, et en même temps, la réalité, c'est bon, la réalité, c'est Lopez, qui n'est pas n'importe qui a honoré son métier très, très, très largement. Mais le fait que on ait là une énergie brute, une énergie grise, en tout cas, qui a concurrence de 40% de la valeur des choses, c'est déjà un acquis essentiel. Et ça nous laisse imaginer qu'il faut trouver des moyens d'arriver à transformer le plus significativement possible tout ceci. Quoi. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir une vision de la société à travers la question des grands ensembles. Alors certes, notre pays a deux, trois problèmes historiques avec les populations qui y habitent dans les grands ensembles en masse, mais il n'y a pas que les immigrés, il y a beaucoup de monde. Et puis il y a une autre richesse, c'est que souvent, les lieux sont exceptionnellement intéressants et exceptionnellement méconnus. Les grands ensembles, ils ne sont pas tous pareils, ils sont tous différents d'ailleurs. Et puis il y a aussi une chose, c'est qu'ils ne sont pas finis. Il y a encore de la place. Le conservatisme, les précautions des bailleurs en général, ou de l'État, etc., fait que souvent, il y a de la place. On est dans une densité inférieure à 1, quand le centre de Paris magnifique vaut 4,2. Donc on est très loin d'avoir comblé l'ensemble. Et tout ceci représente d'énormes potentialités dans le développement urbain. Et pas uniquement avec le souci de la réparation, mais aussi avec le souci de la transcendance de la situation, aller au-delà de ce qui est présent. Alors, on doit faire face à toute une série de paradoxes, parce qu'on se cherche sur ce terrain-là, et je pense que peu de gens peuvent dire, voilà, on a trouvé la solution. Moi, j'évoque au passage, comme ça, quelques exemples que je connais, pour avoir travailler depuis des dizaines d'années sur certains lieux, ça prend du temps. Il faut dire aussi ça, c'est que la décision politique est très très lente. Mais le jour où on arrive au Neuhof de Strasbourg, il y a 11 ans environ, en hiver, tous les volets sont fermés. Volets fermés en hiver, ça veut dire que les gens sont partis, première analyse. Pas du tout, ils ne sont pas partis, mais ils se protègent. Donc les volets sont fermés, il est midi, les volets sont fermés. Donc on sait qu'au Neuhof à Strasbourg, c'est là qu'on a inventé cette merveilleuse idée qui s'appelle l'autogrill, qui consistait à faire des brochettes de voitures à Noël. Et on voit tout ça, puis on voit quand même des interventions, puis des architectes qui avaient plaqué des colonnes corinthiennes en polystyrène expansé sur les entrées d'immeubles pour donner un sens historique à tout ça. Donc on est là au l'apocalypse de notre profession, quoi. C'est-à-dire que penser qu'on va pouvoir faire ça et que ça va avoir du sens, c'est un moment qui est passé. J'y étais parce que j'ai entendu. Enfin, je suis vivant. Donc, cette situation est bizarre. Alors, au Neuhof, des décisions de démolition étaient prises. Nous avons essayé de sauver quelques bâtiments, mais quand vous avez face à vous un bâtiment qui fait 6 mètres d'épaisseur ou vous avez un escalier extérieur pas logement et tout ça, vous savez pas très bien quoi en faire, quoi. Donc on a vite renoncé, puis la chose était lancée. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait de la place, et beaucoup de place, et que cette place, elle permettait d'élargir l'offre. Et puis les Alsaciens, ils sont très... Enfin, on en parle beaucoup en ce moment, je trouve, à propos de leur statut particulier, mais ils sont, au fond, particulièrement généreux. Et on est tombé sur toute une série de petits promoteurs qui imaginaient pouvoir investir autour de 15, 16, 17 logements, là, dans le quartier du Neuhof, où on était dans 100% de locatif social. Je dis bien 100% de locatif social. Donc ces petits promoteurs, ils arrivaient dans le quartier à une condition, c'est qu'on les laisse tranquilles avec leurs architectes habituels. Leurs architectes habituels, ils n'étaient pas très représentatif de ce qu'on pouvait imaginer, l'architecture, la belle architecture, la vraie architecture, etc. C'était plutôt un peu le contraire. Mais il fallait quand même
considérer que le fait qu'on nous propose de construire 15, 16, 17 logements en accession à cet endroit-là, ça avait bien sûr beaucoup de sens par rapport à l'ensemble. Ça voulait dire que, puisqu'en plus ces logements ils étaient à vendre, on avait tout d'un coup la possibilité d'imaginer que la population, une certaine population, pourrait simplement acheter un logement là où on était dans le 100% locatif. Ceci, c'est une anecdote de début, mais ça prend comme ça. Et en même temps, on fait état du... Enfin, la ville de Strasbourg est très organisée, donc on nous explique que... Enfin, il y a un banquier qui est dans le quartier qui nous explique qu'au fond, les dépôts des personnes ne sont pas si faibles que ça. Il y a quand même des gens qui ne sont pas complètement fauchés dans cet endroit-là. Et tout. Donc on voit bien qu'il y a peut-être la possibilité de commencer à penser à faire venir une population un tout petit peu différente. Je dis bien un tout petit peu différente. Il ne s'agit pas de boboiser ou de faire venir les bourgeois dans les quartiers sensibles. On n'y arrivera pas. Mais on peut, et ça c'est une conviction absolue, considérer que la principale réponse à la question des grands ensembles, c'est comment essayer de sortir un tout petit peu du niveau de vie des populations qui sont actuellement dominantes sur ces lieux. Et ceci se pose partout. Et seulement, il faut qu'il y ait quelque chose à y faire. C'est-à-dire qu'il faut que, indépendamment de l'attractivité d'un logement en accession à cet endroit-là, il faut qu'il y ait aussi du charme dans le quartier, potentiellement, ou qu'il y ait une vie dans le quartier. Et c'est pas facile, parce qu'on est tous, bien sûr, très conscients de tous ces lieux, stigmatisés par une certaine violence quotidienne. Le fait que ce soit difficile de rentrer dans son immeuble, etc. Tout ceci est assez compliqué. Mais néanmoins, on s'est dit, il faut embourgeoiser le Neuhof. Je dis bien embourgeoiser avec, vous imaginez, toutes les réserves. Et c'est fait. 10 ans après, c'est fait. Bien sûr, le tram est arrivé, mais le tram n'est pas la seule réponse, parce qu'à Grenoble, où le tram existe depuis toujours, à la Villeneuve de Grenoble, des jeunes gens nous ont expliqué, enfin une jeune fille en tous les cas, nous a expliqué qu'elle avait découvert le centre-ville de Grenoble à l'âge de 15 ans et qu'elle était née à la Villeneuve et le centre-ville, c'est 3 minutes en tram. Donc il y a bien sûr d'autres considérations, mais à Strasbourg arrive le tramway et bien sûr ça change tout parce que vous n'êtes plus au bout du monde, vous êtes dans le monde tout simplement. Quoi. Et ça a effectivement changé beaucoup. Le Neuhof, c'est loin d'être fini. Ça va beaucoup mieux, mais il faut dire que on est passé d'une gestion de droite d'une gestion de gauche à une gestion de droite, puis de la gestion de droite à une gestion de gauche, sans encombre. Tous les gens ont additionné leurs forces, tout le monde s'y est mis, chacun ses méthodes, tant mieux. Et on a aujourd'hui un résultat qui est que le quartier a changé, on nous le dit. Voilà, notre célèbre Abdel Malik, qu'on connaît bien à la radio, dit aussi, enfin tout le monde le dit, quoi. Donc ça a changé. Donc c'est possible de changer. Bon, en plus, je prends cet exemple parce qu'il m'est cher, parce que j'y étais impliqué, pas tout seul, il y a plein de monde, il y a surtout des opérateurs sociaux de la vie quotidienne comme ça qui sont absolument admirables et qui gèrent ça tout à fait bien. Enfin, en plus là, ils sont toujours presque toujours les mêmes, il y a eu de la continuité, donc c'est formidable. Le phénomène ne se reproduit pas aussi facilement ailleurs. Si je prends l'exemple de la Villeneuve de Grenoble, là on se retrouve dans ce que je disais précédemment avec des logements qui n'ont plus beaucoup de valeur et beaucoup de copropriétaires. Un montage très compliqué entre les différents bailleurs, sociaux ou privés, enfin publics ou privés, et les petits propriétaires. Une forme urbaine assez particulière, faite par des gens... eux aussi admirables et héroïques qu'étaient les gens de la UA à l'époque où ils ont conçu le modèle urbain. La UA, c'est deux parties. C'est Loiseau et Tribel, et puis les architectes grenoblois, qui inventent le modèle urbain. Et puis l'équipe Siriani, Corajou, Widobro, qui fabrique, qui aménage cette espèce de chose incroyable qui est d'avoir inventé une rue qui se situerait sous les bâtiments. Ça, c'est un truc très, très étrange, quoi. Ça nous vient de Tim Ten. C'est une drôle d'idée. On n'avait jamais fait ça avant, quoi. Depuis le fin fond de la Mésopotamie, on n'a pas fait des rues sous les bâtiments.
Il se trouve qu'il y a des rues sous les bâtiments, des fois, dans les grands ensembles. Il y a le Galion à Aulnay, où il y a la rue, le marché, sous le bâtiment. Et où là, la question de la démolition du Galion à Aulnay pose un problème très fort, parce que c'est un problème symbolique. Il y a des gens qui pensent qu'il faut garder le Galion parce que c'est quelque chose qui est dans l'héritage. C'est un peu mon cas. Mais quand je dis ça au maire, le maire d'Aulnay, il me dit, écoutez, moi, je suis né là, je suis devenu maire, il faut détruire le Galion parce que ça, c'est un symbole fort. Personnellement, je ne sais pas quoi répondre à ça. Je ne peux en tous les cas pas opposer le fait qu'il serait bon de ne pas démolir, parce que je pense qu'il y a des raisons là qui sont des raisons très fortes, qui exigent et peut-être qu'éventuellement, il y a quelques actes fondateurs. C'est des actes que je trouve durs et difficiles, mais à la limite, j'arrive à comprendre. Si c'est l'exception, j'arrive à comprendre. Il faudrait surtout que ça reste l'exception. À Aulnay, dans le quartier de la Rose des Vents, je pense qu'un bon tiers de la rénovation est faite. Vous avez du néo-moderne, du néo-haussmannien, vous avez toute une espèce de bordel. Assez sympathique. Franchement, assez sympathique. Et effectivement, la partie du quartier a changé. C'est absolument pas orthodoxe sur le plan de vue architectural, c'est même totalement contraire à la démarche même, mais néanmoins, c'est assez sympathique. Et en tous les cas, les gens se trouvent pas mal traités. Dans les grands ensembles, il faut surtout faire une chose, c'est s'occuper des gens. Pour moi, c'est absolument la clé. Il faut qu'il y ait cette espèce d'attention, parce qu'il y a... Il y a un drame politique autour de la question de l'immigration et du colonialisme qui fait que ça ne se règle pas simplement. Et on a besoin de cette attention-là. D'autres pays le font, mais nous, on a besoin d'une attention particulière parce qu'on a eu une forme de rapport avec les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, etc., très, très singulière. Et voilà, il y a une nécessité absolue de gérer la question du plus près possible des habitants. Et ce n'est pas impossible, puisqu'il y a beaucoup de gens qui savent faire ce métier-là, qui consiste à accompagner. Et j'ai le sentiment que si on les prend cas par cas, si on ne décrète pas qu'ils sont tous pareils, que si on n'a pas une réponse générique qui permettrait de régler tous les problèmes, on commence à avoir une attention qui est celle qui a été démontrée avec le magnifique bâtiment de Cadiz, c'est ce que ces architectes en ont fait, qui a été démontrée par Anne Lacaton tout à l'heure. Alors, bien sûr, là, on est dans des choses qui sont sans doute pas utilisables immédiatement dans la question qui est posée avec les grands ensembles, mais en même temps, ça montre qu'il y a du savoir architectural et que c'est la condition pour que la transformation puisse être imaginée. Ces expériences sont très, très intéressante, très enthousiasmante, des fois décevante parce qu'on n'est pas toujours, on n'est pas toujours à la hauteur de la situation. Puis des fois, on n'est pas franchement payé en retour, quoi. C'est un peu, souvent, même un petit peu conflictuel, mais on a l'impression d'être utile. Alors, je veux dire un mot sur cette histoire de la Biennale de Venise, là, qui est arrivée depuis quelque temps. Je me dis bien sûr, quand on me propose ça, M. Gallet qui est ici m'appelle au téléphone et me propose ça, et je me dis qu'est-ce que ça fout la Biennale de Venise avec les grands ensembles, c'est-à-dire que le paroxysme de l'écartement entre les sujets. Et au fond, je me suis posé la question de savoir ce que la Biennale de Venise pouvait faire pour les grands ensembles. Et sans doute, c'est ce qui manque actuellement, c'est une investigation libre à l'échelle de grands territoires. Vous connaissez la complexité de la situation politique de la région parisienne, par exemple, 1600 communes, des maires, pour la plupart, qui ont la possibilité de dire non, mais pas beaucoup à pouvoir proposer des choses. Et pour ça, il faut avoir être à la tête d'une grande ville. Donc une gestion des territoires assez compliquée. Et puis une espèce de consécration des prérogatives communales, qui est totalement légitime, donc on ne peut pas s'opposer à ça, au contraire, mais néanmoins, on peut, si on a l'ambition de repositionner ces lieux dans leur territoire, et non pas dans leur enclave, ils constituent une enclave de par leur composition, ils constituent une enclave parce qu'ils s'opposent aux pavillonnaires qui les entourent en général, parce que c'est plutôt ça, le rapport morphologique, c'est plutôt du pavillonnaire versus de l'habitation collective, ou inversement.
Donc, si on s'intéresse à dépasser l'enclave, alors on regarde les lieux bien au-delà, quoi. Et par exemple, là, nous avons décidé d'essayer de montrer. Alors, on raconte l'histoire comme ça. On dit voilà, le pavillon français, la Biennale de Venise, il va montrer un territoire pas très connu, même quasiment inconnu en tant que tel, qui part du cluster Descartes de Marne-la-Vallée, qui est censé être un lieu un peu prestigieux sur les questions environnementales, qui met un peu du temps à bouger, mais qui va bien finir par bouger. Il traverse la Marne, il arrive à Chelles, où ça va pas si mal, avec si ce n'est un faisceau ferré considérable, mais de là, on a quand même auparavant traversé la Marne, traversé le canal de la Marne, tout ça c'est assez beau. Ensuite, on monte tranquillement vers Montfermeil. Je rappelle que Montfermeil, c'est un lieu assez exceptionnel, au pied de la forêt de Bondy, que Victor Hugo y a écrit une partie des Misérables, qu'au XIXe siècle, il y avait une sorte de tramway qui partait de l'Opéra pour aller à Montfermeil, on y allait en villégiature. Donc tout ceci, c'est pas les bosquets, c'est Montfermeil, quoi. Puis à côté de Montfermeil, il y a Clichy-sous-Bois, où là, il y a une difficulté parce qu'il n'y a pas de centre, il y a un grand ensemble très sensible, il y a des morceaux faits par Zerfus, il y a la tuberculose, Zerfus y est pour rien. Mais il y a tout ceci nous montre un territoire intéressant. Ensuite, on peut traverser Livry-Gargan rapidement, parce que la Livry-Gargan, le maire n'est pas très coopératif, donc il faut faire vite. Et on va un petit peu plus loin, on arrive à Sevran, où on sait les difficultés, on connaît les positions du maire, un peu radicales, etc. Et bon, Sevran, canal de l'Ourcq magnifique, enfin, un paysage exceptionnel, conditions tout à fait attractives. J'ai oublié de mentionner que j'avais traversé la forêt de Bondy, que la forêt de Bondy, c'est un lieu exceptionnel, qui, si on la compare avec la forêt de Saint-Germain à l'ouest, a des avantages intéressants parce qu'il y a de grandes dilatations à l'intérieur de la forêt, donc c'est un lieu de réunion. La forêt de Saint-Germain, c'est plus difficile, c'est plus serré, sauf au bord. Donc on a là un lieu de très très grande qualité. Et puis on continue on a passé Sevran, on continue et on arrive à Aulnay-sous-Bois, où là il y a une chose très paradoxale, très, très significative de l'état un peu de la réflexion sur l'aménagement dans notre pays. Il y a ce magnifique parc des Saussets, dessiné par Michel Corajou, qui est fréquenté par personne. Pourquoi ? Il est conditionné par le fait qu'il y a au départ une politique Natura 2000, pour revenir sur Natura 2000, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, là, ici, qui fait que, au fond, les contraintes environnementales dans ce parc sont telles que personne n'a envie d'aller y jouer, quoi, d'aller taper dans un ballon, etc. Par contre, il y a un parc plus petit à côté, ça s'appelle Robert Ballanger, du nom d'un dirigeant du Parti communiste, qui, lui, est très ouvert et qui rassemble tout le monde, tout le temps. Voilà. Donc ce parc, il est vide. Et pourtant, il est talentueux, il est fort, il a une responsabilité environnementale, il possède en son cœur une station du RER. Tout ceci, c'est un territoire d'abondance. Tout ce que je viens de vous décrire, c'est un lieu, si je vous dis, il n'y a personne, il faut faire une ville là, vous avez tous envie de faire une ville là. Il se trouve que la ville, elle existe, elle a 300 000 habitants, si on cumule l'ensemble des parties, et que, au fond, la chance de ce territoire, c'est d'abord que le métro du Grand Paris Express va passer par là, et il va décrire exactement le parcours que je viens de vous signaler. On est donc face à un lieu qu'on peut regarder comme un lieu de perdition dès lors qu'on est en 2005 et qu'on lit le journal ou qu'on regarde la télé, qu'on peut regarder avec plus d'attention quand on est suisse et qu'on s'occupe du Bondy Blog, où on apprend beaucoup, beaucoup. Journaliste suisse. Donc on est là, ici, dans un lieu, si on le prend comme il est, qui est l'avenir de la région parisienne, tout simplement, quoi. Et puis comme ça, je prends celui-ci parce que je le connais un peu, mais j'en connais d'autres, et il y en a d'autres. Donc vouloir stigmatiser les grands ensembles, considérer que c'est une difficulté localisée à quelques barres dans un coin, c'est un contresens du raisonnement. Les grands ensembles, ils font partie intégrante de la ville. Ils sont les germes de la ville, potentiellement. Et je ne parle pas de la qualité des populations de tout genre, où vous avez, par exemple, parce qu'on a fait des tas d'interviews avec plein de gens, dans 52 nationalités dans une cage d'escalier, les gens, ils ont tous quelque chose à dire. Et tous quelque chose à dire. Et ils le disent, chacun à leur manière, dans des langues où on ne comprend rien, mais il y a des traducteurs, et ils ont tous quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'il y a là, relégué d'une manière
On comprend pourquoi il a fallu faire tout ça rapidement dans les années 60, puis après les pieds noirs d'Algérie n'ont pas voulu y aller parce qu'ils trouvaient ça moche, ils préféraient trouver des petites maisons, etc. Et puis ensuite, les gens sont venus parce qu'il y avait une possibilité. Certains sont fixés à Sarcelles plutôt très bien, et ça a réussi plutôt à Sarcelles, etc. On comprend bien toute cette logique-là. Mais aujourd'hui, l'État est tel, l'état de la question sur le site est tel, qu'il faut envisager un travail avec beaucoup d'ambition. Et cette ambition, elle est de l'ordre de, finalement, donner de la valeur à des appartements qui n'en ont pas. Simplement ça. C'est-à-dire que si vous, grosso modo, si à la Villeneuve de Grenoble, vous mettez 50, 60 000 euros par logement, vous arrivez à transformer la Villeneuve de Grenoble. Et alors, du coup, on pourra peut-être même imaginer qu'il y aura moins de logements vacants, parce qu'il y en a, et qu'on pourrait même attirer un certain public. Au début, le projet de la Villeneuve de Grenoble, c'était un projet où l'idée... des concepteurs, et puis l'idée de Dubedou, qui était le maire de Grenoble à l'époque, c'est de faire que les gens se croisent et se rencontrent, et qu'au fond, le manœuvre pouvait avoir le même palier que le professeur d'université. C'était sans doute une assez grande illusion. C'était sympathique, ça n'a pas marché du tout. On le sait, et tout le monde le rapporte, donc il n'y a aucune raison de s'embarquer dans un truc aussi compliqué. Mais néanmoins, il y a aujourd'hui, à la Villeneuve de Grenoble, un magnifique parc pour Grenoble, un magnifique ensemble, avec plein de qualités et plein de capacités de transformation. Antoinette Robin, qui était là tout à l'heure, a participé un petit peu à ça, puis oui, il y a eu beaucoup de difficultés dans le fait de tenter de faire un travail ambitieux, alors que des décisions de démolition étaient prises, etc. C'est toujours un peu contradictoire. Moi, je suis urbaniste, je m'incline volontiers. Quand je suis architecte, je m'incline un peu moins. Mais par rapport à ça, parce que quand je suis urbaniste, je suis obligé de servir le bien commun et la cause de mon client, qui est la plupart du temps le service d'une ville, quoi. Et donc j'admets au fond ces hypothèses-là. Mais je pense qu'il est important que pendant que certains font le métier que je fais, comme je le fais, d'autres continuent de fixer une espèce de ligne architecturale où il faut que ça soit clair. Et c'était ce que la Catoversal ont fait, là. C'était évident. C'est évident que c'est un prototype. Je ne suis pas sûr qu'on soit très éloigné de la réalité et des possibilités. Je pense qu'on est, on n'est pas loin avec tous ces acquis, la situation que je viens de décrire, le fait que souvent les territoires sont admirables, de pouvoir régler cette question. Et du coup, finalement, c'est assez naturel d'aller raconter ça à Venise, même à une population qui est peut-être un peu étrangère. C'est notre seule difficulté, c'est comment communiquer avec nos problèmes et comment nos problèmes peuvent-ils, au fond, apporter une contribution à l'architecture mondiale. En même temps, on n'est pas non plus obligé de considérer que l'architecture ne serait que mondiale. Il y a aussi des questions liées au local. Et c'est celle-ci, bien sûr, que j'aborde. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop court. Voilà. Je n'ai pas de conclusion. Je veux simplement dire qu'il faut s'attacher à cette question avec beaucoup d'humilité et beaucoup de conviction, quoi. Voilà. Et que, franchement, lieu après lieu, ça se gagne, cette bataille. Mais pas du tout si on commence à généraliser le propos en disant il faut démolir la moitié du pays parce que ça ira mieux quand on verra plus les choses étranges. Donc voilà, moi j'ai plutôt une vision très optimiste de la situation. Merci.